vous avez devant vous un homme heureux, un homme qui a attendu depuis 1984 que la Guadeloupe soit choisie. Eh bien, c'est plus qu'une reconnaissance. C'est quelque chose qui nous est dû, parce que vous êtes ici, au Club Sainte-Guyane. En tant qu'ancien sportif, bon, je me réjouis toujours d'avoir des installations avec, je dirais, le NEC le plus ultra, notamment au niveau de cette piste qui sera la première piste connectée de la Caraïbe, avec vraiment un matériel, je dirais, adéquat pour qu'on puisse non seulement s'entraîner dans de bonnes conditions, mais recevoir aussi des équipes internationales. On est très satisfait. Il faut féliciter toute l'équipe qui a travaillé sur le montage de ce dossier. Et là, aujourd'hui, le CREPS est clairement sur la carte des centres d'accès à la haute performance, aussi bien pour les équipes nationales que pour les délégations caribéennes qui pourraient venir s'entraîner ici pour préparer les Jeux de 2024. Guadeloupe, terre de champions, n'a jamais si bien porté son nom. Nous avons été retenus pour 20 disciplines olympiques sur 29. Cela veut dire tout simplement que la Guadeloupe sera le grand centre, le haut lieu du sport jusqu'à 2024.